Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo sur Dragon Ball Legend et je suis en compagnie de Paul. Coucou. Alors Paul, tu es là parce qu'évidemment tu vas me porter chance, du moins je l'espère parce que ça a été annoncé hier, oui. C'est sorti ce matin. Nous sommes l'après-midi, il attend qu'il y ait quelques mises à jour au niveau du jeu parce que vraiment il ramait tout le monde s'est connecté dessus pour la nouvelle bannière qui vient juste de sortir avec en star C17 et C18 en LF. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perso sur cette bannière? Une bannière setup, évidemment. Alors, ma première team PVP que j'ai construite était une team cyborg. Elle m'a duré quelques mois. Après, je suis passé team plutôt girly. Et après, je suis passé team fusion. Mais franchement, ça, c'est de quoi vraiment me renouveler team cyborg. Hein, parce que franchement, les persos, même les attaques et tout, sont géniaux. Gohan en élève que je n'ai toujours pas, hein, SL en élève que je n'ai pas, Vegeta que j'aime, alors là que je ne veux plus jamais l'avoir, Zamasu Fusion, je ne dis jamais non à Zamasu Fusion, et Black Goku, c'est-à-dire je ne dis jamais non à lui non plus, Majin Buu que je n'ai toujours pas, et puis après on passe aux extrêmes, un nouveau extrême, voilà, c'est pas mal, mais la priorité, c'est vraiment E2, enfin ce perso duo. Ouais, on a eu Goku et Vegeta en double, qu'on n'a pas eu, qu'on a essayé d'avoir, hein, vraiment, mais qu'on n'a jamais eu. Dommage, 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 qu'on voit tout le temps en PVP. Moi, j'y vois vraiment tout le temps en PVP. Et là, on a C17 et C18, et j'aimerais bien les avoir. Bannir avec le taux de sparking multiplié par 2, comme vous voyez, hein, tous les persos qu'on a seront à 1200 pouvoir Z au lieu de 600. Bon, tant mieux. Bon, alors évidemment, c'est 3500 cristaux les paliers, le tour de palier, 3500. On a 14700, on va pouvoir se faire plaisir. Paul, à toi de jouer. C'est parti. Assez de blabla. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la bannière. Que j'ai pas, en fait. C'est pas qu'ils sont nouveaux, c'est vraiment que je sais pas. C'est rare que j'ai autant de persos que j'ai pas dans une même bannière. Taux de sparking 20%. Enfin, 20%. 20%, oui. C17 et C18, 0,5% de tension. J'espère vraiment pouvoir les choper. Ah oui, on commence avec 3 directs. Ah oui, c'est des tirages comme ça. C'est de la daube. Mais après, ça ira mieux, t'inquiète. Qui ne veut plus rien dire, hein. Je crois qu'il nous a bien arnaqué. C'était bien avant que les animations avaient une signification. Ouais, toi, Pai Pai et Goku et ses J3, bon, je sais que ça veut plus trop dire grand chose, mais quand même, j'y crois. Hein. Mm. Hein, on croit en un truc bien. Le pire qu'il puisse mettre, c'est un sparking tout pourri. Que j'ai déjà à fond. Que j'ai. Ça va le hop. Ok, bon, c'était ça pour deux sparkings. Ah oui, puis maintenant ça va les augmenter, mais bien comme il faut. Vu que maintenant c'est x2. Bon. J'espère au moins qu'au tirage 10, ça a commencé à y aller. Ah, c'est prometteur aussi. Un direct, ok. Ouais, non, très 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 vieux. Il dormit dans Zenkai récemment, mais très 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 vieux. Oh mon dieu! Quoi? Oh, alors lui, tu vois, il était c'est un perso qui était là dès le début du jeu. Est-ce que c'est le perso le sparking le plus pourri? C'est possible. Baby Vegeta, d'accord. Oui, j'ai hâte de dire ça. Vraiment tout et n'importe quoi, hein, comme parking.
à X plus garantie. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça ajoute des pourcentages. Téléchargement. Oh, il nous a trahi des milliards de fois. C'est bien, le téléchargement. Bien. Hey, top, high five. Super Saiyan. Broly, hein? Non. Voilà, c'est tout. Ok, bon. Je crois que c'est allé plus loin. Vu que le téléchargement était en PLS. C'est un nouveau perso donc on avait. Wow, il est très 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 vieux aussi lui. Ils te mettent vraiment des persos de la première année quoi. Même toi, pareil, pas celui-là, il est extrême. Ouais, non. Bien, mais bon. Inutile pour moi en fait. Quoi, attends, vous foutez de moi, je l'avais pas celui-là? Je suis choqué que je l'avais pas. Bah, deuxième nouveau dans le même tirage. Je me disais, comme ça, ça va améliorer ta collection. Oui, c'est vrai. Allez, le encore. Prochain palier est gratuit. J'espère vraiment au moins l'avoir parce que ça va me faire chier de pas l'avoir, je vous dis franchement. Surtout que je vois déjà tous les kikis qui vont se raconter sur les réseaux sociaux en mettant leur screen. Comme d'habitude. Ah oui, ils partagent leur joie, mais ils pensent pas à ceux qui sont déçus, qu'on la haine, qu'on la rage, qu'on a classé des tonnes de cristaux, ça n'a rien à voir. C'est ça que je trouve, moi, putain, on n'a rien eu là. Ça fait un peu trop de héros là. T'as des free to play qui avec 20 cristaux. On leur bonhomme et d'autres qui des cash players qui dépensent je sais pas combien d'argent dans le jeu et qu'en rien. Je trouve ça vraiment injuste. Mais bon, ça c'est ce que tout le monde dit, mais malheureusement rien n'y changera. Il y a vraiment des animations les plus basiques possibles. Attends, elle n'est pas finie, hein. C'est ce que tu es en train de me dire, mais c'est pas fini. Oui, bon, d'accord, ok, j'ai rien dit. Oh, il est vieux, lui aussi. Mais les plus vieux ouais, possibles. C'est vraiment des très très vieux persos. Hein. C'est méchant, hein. C'est très méchant ce qu'ils nous ont fait là. Bon, bah alors c'était un tour de palier. Non, très déception, hein, vraiment. Au début, t'avais des bonnes animations, sauf que y avait zéro personnage, quoi. Genre, il y en avait 3 ou 5. Ouais, bah allez, on refait un tour. Okay. Et après, normalement, je me suis dit, je vais absolument l'avoir, donc je ferai 3 tours. Mais je vais faire que 2 tours, parce que là, je vois vraiment que c'est des persos tellement anciens, quoi. Tellement anciens qui sont au max. Ouais, déjà, ils sont quasiment au max, et puis voilà, quoi, ils ont plus de valeur, quoi. C'est un jeu avec, tu fais pas de dégâts, quoi. Ouais, bon, au moins, tu vois, il est pas ancien, lui. Il est assez récent. Et déjà, ça va monter, mais... Ça monte, hein.
Heureusement que le dernier à la fin il est gratuit. Hein. Parce que sinon ça aurait encore été encore plus cher. Oui, non, déjà pour le 5 c'est assez conséquent. Surtout qu'en ce moment les events, c'est pas trop la fête. Parce que ici, tu utilisais 3500 cristaux juste pour avoir que des vieux Sparkling. C'est pas ouf. Attends, vas-y, continue, vas-y. Vas-y, un extrême. Ah, j'ai cru que t'allais nous faire une full hero là. Ah, t'as eu un extrême à la fin. Oh, ouh, un extrême. Bon, là, il est marqué extrêmement plus garanti. Est-ce qu'il n'y a pas que des extrêmes? Moi, j'y crois. Bah, moi aussi, hein. Mais c'est fou. Ouais, le pire, c'est que même avec les sparkings qu'on a, c'est, on a 0 LF, quoi. C'est triste. Oh, la même animation, si tu veux. Alors, un sparking. Ok, lui aussi, très très vieux, même s'il nous met une caille. Ouais, il est vieux aussi. Un peu moins vieux, mais bon, quand même, il a fait son temps. Putain, c'est pareil sur tout ça. Il y a des sparkings quand même, hein, mine de rien. Mais oh là, mais sérieux! C'est la vidéo des vieux persos. Ah, mais c'est clair! Mais comment ça se fait qu'il y a autant de vieux, ils surgissent comme ça? Ah, bah écoute. Ils veulent faire apparition dans la vidéo tellement ils sont vieux. Bah écoute, c'est pouvoir Z x 2, taux d'apparition 20%. En fait, ils ont dit vous aurez plus de sparking. Vous aurez beaucoup plus de sparking dans cette bannière. Mais, attention, il y a de la merde dedans. Vous aurez une surprise. Bon, plus que 2 tirages, c'est fini. Ouais, on n'aura rien eu. Même pas de LF, c'est triste. Que des vieux sparkings. Au moins, on aura eu de nouveau. Ça fait cher de nouveau. Hein. Ouais. Attends, j'espère un sparking à la fin quand même, le sparking de la pitié. Il y a quelques rares extrêmes. Ah mon bout, à moi. Ah bah le niveau. Ah bah c'est cool, hein. Allez, encore un. Et encore lui, il est gratuit. Jusqu'à la fin. Ouais, c'était peut-être le tirage à pas faire, je sais pas. Mais bon, j'étais tellement. J'ai voulu tellement ce perso, c'est dommage. Au début, il avait un petit espoir, il y avait quelques bonnes animations, mais. Ouais, après. En tout cas, les persos doubles, c'est pas pour moi, apparemment. Je resterai sur ma team fusion et puis c'est tout. Pas de team cyborg à jour. Et c'est ainsi que la team cyborg restera à jamais dans le passé. Il faut pas.
Bojack, ouais. Prince, ouais. Lynch, ouais, bah barrez-vous, c'est bon. Allez, vous foutez vraiment bien Lynch à la fin pour bien vous dire allez, tiens, deux cadeaux. Je me disais en plus avec ce qu'on disait et tout, mais rien eu du début à la fin. Je pensais qu'on allait avoir un karma inversé en mode finalement il y a quelque chose à la fin, même pas. Ah ouais, tu vois, tu jouais le contre-sort comme ça. Ouais. Au niveau des médailles. C'est un écran noir. Ouais, non, mais je te jure, le jeu il déconne à mort depuis ce matin. Je sais pas ce qu'il y a. 9, oh merde, faut en refaire un pour en avoir deux. Bon allez, on va en refaire un, puis après on prendra des tickets. Oh, c'est juste un 500, tu vois, c'est rien. Bon, c'est 5 persos, quoi. Animation toute pourrie. Pour les persos tout pourri. Et le dernier héros. Salut. Je sais compter maintenant. Bon allez, on va prendre nos deux pièces, on va faire notre tirage de la dernière chance de la mort qui tue, puis on verra. De l'ultime tirage, incroyable. Ouais, alors 5% de pour avoir des persos LF, ça j'y crois pas parce que ça nous est jamais arrivé. Alors les tirages. Où êtes-vous? Et vous, voilà. Ici. Allez. Je vous avoue que si je le chope ici, je suis ultra content, même si j'ai eu de la merde avant. Voilà. Et puis même si c'est pas les pouvoirs cette fois, malheureusement. Dommage. J'ai passé ce perso là. Allez, le dernier, s'il te plaît. En plus, j'y vais déjà à fond, c'est bien. Et quand même, c'est du 1200, mais je crois que c'est du 600, mais non. Alors c'est la même animation, sauf que là, Goku est en Super Saiyan. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Ouais. Bon, écoutez, voilà. Si j'aurais su ce qui m'attendrait, je n'aurais rien fait. Voilà, j'ai regardé mes cristaux. Bon, évidemment, ça fait beaucoup de sparking, ça fait beaucoup de pouvoir Z, vu que c'est du x2, hein. Et ça a monté beaucoup de persos. Mais est-ce que c'est des persos nécessaires? Est-ce que c'est des persos récents? Je ne crois pas. Non plus, ouais. Franchement, ouais. Ah, c'est dommage, hein. Je suis déçu. Je suis très, très, très déçu. Ouais, c'est un moment vite à oublier. Très, très vite à oublier.
et on va se focus sur le prochain anniversaire qui devrait pas tarder. Voilà. On vous souhaite tous plus de chance que nous, ça c'est clair. Et on va laisser les gens qui ont ses 17 et ses 18 se vanter. Oui, sur les réseaux sociaux, ouais. On va éviter de devenir des haters. Alors, nous allons pas commenter, nous allons rien dire. Nous allons peut-être faire un GG, ou GG bâtard, mais nous allons pas devenir des haters. Nous likerons leurs trucs de passe de merde. Bon, allez, on vous dit tous bonne chance à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.